لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui nous allons commencer l'étude du premier extrait. Et ce sera donc l'étude de l'incipit est une expression donc qui signifie le début de l'œuvre. L'incipit signifie le début de l'œuvre, l'ouverture de l'œuvre. C'est un mot latin qui se prononce de deux manières différentes. Je peux prononcer l'incipit et je peux le prononcer aussi l'incipit. L'incipit. Alors nous allons étudier un extrait de l'incipit ou bien un extrait de la situation initiale. Voilà. Cet extrait commence à partir du début, le soir, quand tous dorment, jusqu'à « je voulais connaître ». إذن سنا هذا المساء إن شاء الله سنقوم بدراسة أول نص في الرواية لابواط أميرفي، وهذا النص هو النص الأول الذي تبدأ به الرواية. وهذا النص الأول أو بداية الرواية تسمى لانسيبيت أو لينكيبيت. هذه الكلمة تنطق بطريقتين مختلفتين، يمكن أن ننطق لانسيبيت ولينكيبيت. لينكيبيت تعني مقدمة أو بداية القصة، وهي الوضعية الأولية سندرس فيها نص أول. أولا نبدأ بقراءة النص. سأبدأ بالقراءة أولا ثم نقوم بالتحليل. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais, un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas. Il ne le martyrisera pas. Il veut en faire son compagnon. Les pieds nus, sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau
qui ne vient pas. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Nous habitions Dar Shuafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière, adepte de la confrérie des Gnawa, gens de Guinée. Elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de bon joint emplissaient la maison et les crotales et les guembris nous empêchaient de dormir toute la nuit. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. De notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. Elles faisaient tinter leurs instruments bizarres. J'entendais des huyou. Les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Je me levais de bonne heure pour aller au Msid, école coranique située à deux pas de la maison. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. L'odeur du bon joint et de l'encens m'enivrait. Autour de moi rôdaient les jnouns, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. Je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brûlants. J'entendais leur rire comme par les nuits d'orage. Mes index dans les oreilles, je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Les deux pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la Chouafa, principale locataire. Au premier étage habitaient Driss Laouet, sa femme Rahma et leur fille d'un an plus âgée que moi. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rahma faisait la cuisine sur le palier. Nous partagions avec Fatma Bziouya le deuxième étage. Nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio. Un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émaux de couleur et qui paraissaient pavés de briques. Il était tous les jours lavé à grand eau et frotté au balai de Doum. Les genoux aimaient la propreté. Les clientes de la Chouafa
avait dès l'entrée une bonne impression, impression de netteté et de paix qui invitait à l'abandon, aux confidences. Autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. Il n'y avait pas de cliente tous les jours. Aussi inexplicable que cela puisse paraître, il y avait la morte saison. On ne pouvait en prévoir l'époque. Brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, se préoccupaient moins de leur avenir, ne se plaignaient plus de leur douleur des reins, des omoplates ou du ventre. Aucun démon ne les tourmentait. La Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve pour s'occuper de sa santé propre. Elle se découvrait des maux que sa science ne pouvait réduire. Les diables l'hallucinaient, se montraient exigeants quant à la couleur des caftans, l'heure de les porter, les aromates qu'il fallait brûler dans telle ou telle circonstance. Et dans la pénombre de sa grande pièce tendue de crétonne, la Chouafa gémissait, se plaignait, conjurait, se desséchait dans des nuages d'encens et de bons joints. Le moindre événement, si grave, ici il y a quelque chose qui a été, donc qui ne se voit pas. Donc ici il s'agit de sa mémoire, dans les moindres événements, si gravés en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. À 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permît d'appeler mon existence solitude ou malheur. Je n'étais ni heureux ni malheureux. J'étais un enfant seul. Cela, je le savais. Point farouche de nature. J'ébauchais de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique. Mais leur durée fut brève. Nous habitions des univers différents. J'avais un penchant pour le rêve. Le monde me paraissait un domaine fabuleux. Une féerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Je désirais que l'invisible m'admît à participer à ces mystères. Mes petits camarades de l'école se contentaient du visible, surtout quand ce visible se concrétisait en sucrerie d'un bleu céleste ou d'un rose de soleil couchant. Ils aimaient grignoter, sucer, mordre à pleines dents. Ils aimaient aussi jouer à la bataille. Se prendre à la gorge avec des airs d'assassin, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d'école. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Voilà donc le texte. هذا هو النص الذي سنقوم بدراسته. إذن أول شيء نقوم
بتحديد لو تيب دو تكست، لو تيب دو تكست. إذا نوع هذا النص، لو تيب دو سو تكست، اي ناراتيف ديسكريبتيف. C'est un texte narratif descriptif. Alors pourquoi narratif? Est-ce que vous pouvez me répondre pourquoi c'est un texte narratif? Alors j'attends vos réponses. Antader ajoubetakom. Voilà, c'est bien Manel. Il raconte une histoire. Hein? Il raconte une histoire. Donc lorsque le narrateur raconte, on dit que nous avons un texte narratif. Bien, la استطيع ان اقرأ الاسم. كناية فد قد لا اعرف الاسم. دونك تقال، وي تقال. Alors, لماذا غيرت الاسم يا تقال؟ إذا description, descriptif, parce qu'il y a description. Hein? Parce qu'il y a description. Oui, donc Zuhir nous dit parce qu'il emploie des temps de narration. نعم, لأنه يستعمل le temps de narration. Ce texte donne une description des événements historiques. Alors, une description, c'est vrai. Hein? On a une description, c'est vrai, parce que l'auteur décrit les personnages, décrit les circonstances, mais des événements historiques, nous avons des événements historiques. Oui, c'est bien, Yasmina, il décrit tout ce qu'il voit, c'est ça. Bien. Donc, c'est un texte narratif descriptif. Alors, après après avoir dégagé le type de texte, nous passons à la situation du passage. Alors, à l'examen, nous avons une question sur la situation de passage. يعني في امتحان الجهوي دائما هناك سؤال على تحديد وضعية النص أو تموضع النص، وهذا السؤال يكون على شكل أسئلة تساعدكم في تحديد وضعية النص. Alors, situer le passage signifie quoi? Signifie dire ce qui s'est passé avant le texte. Lorsqu'on veut situer un passage, on raconte les événements qui sont avant. Et même, on peut dire ce qui est après. Donc là, on essaie de limiter le texte dans l'œuvre. يعني نحاول أن نموضع المكان النص داخل القصة. فيما يخص هذا النص الذي قرأته قبل قليل, c'est un texte qui se trouve au début. Hein? C'est un texte qui se trouve au début. Donc, je n'ai rien à raconter. C'est-à-dire, je ne peux pas dire ce qui s'est passé avant. Je ne peux pas dire les événements qui se passent avant. إذن, madame Anaho, نص في بداية القصة لا يمكن أن أحكي الأحداث التي وقعت قبله. إذن, كيف أقوم بوضعه في بالنسبة للمؤلف ككل؟ أقول c'est l'incipit du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui où il raconte une partie de son enfance. Qu'est-ce que je dis? C'est l'incipit du roman. يعني أنه مقدمة أو النص الذي يفتح القصة du roman autobiographique La boîte à merveilles, وحدد كذلك عنوان هذا المؤلف, et le nom de l'auteur, d'Ahmed Safraoui, où il raconte
une partie de son enfance, bien sûr, dans son roman. Qu'est-ce qu'il fait? Que fait Ahmed Sfraoui? Il raconte une partie de son enfance. Alors maintenant, l'idée générale de ce texte. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce texte? Quelle est l'idée générale? Alors, l'idée générale, c'est ça. La présentation des lieux. L'auteur nous présente les lieux dans lesquels va se passer l'histoire. Il nous présente des personnages et il nous présente aussi l'état d'âme de l'enfant. Ça veut dire qu'il fait la présentation des personnages et ça, c'est la fonction de l'incipit. هذه هي وظيفة الانسيبيت أنه يقدم لنا الشخصيات الموجودة في القصة يقدم لنا المكان أو الإطار الذي ستجري فيه أحداث القصة و nous avons aussi l'état d'âme de l'enfant يعني الحالة النفسية للطفل الذي هو في نفس الوقت le personnage et le narrateur et il s'appelle Sidi Mohamed. Donc, le narrateur personnage ou le personnage narrateur, yani, al-shakhsiya, alladhi huwa fi nafs al-waqt al-rawi, et qui s'appelle Sidi Mohamed. Alors, les axes de lecture, qu'est-ce que nous allons étudier dans ce texte? Alors, dans ce texte, nous allons étudier, premièrement, la présentation dans l'incipit. Ça veut dire, التقديم في هذا النص الذي يفتح القصة وهنا سنرى في هذا التقديم طبيعة الحال لـ personnages, les lieux, le temps, etc. et aussi dans le deuxième axe يعني في المحور الثاني nous allons étudier l'emploi de jeu يعني استعمال jeu et la relation personnage narrateur والعلاقة الموجودة ما بين الشخصية والراوي. Donc, l'emploi de jeu et la relation personnage-narrateur. Le troisième axe, أو المحور الثالث, nous allons voir la relation entre la réalité marocaine et le texte. Donc, ما الذي يربط هذا النص بالحقيقة المغربية أو بالحياة المغربية أو كذلك بالثقافة المغربية. Donc la relation entre la réalité marocaine et le texte. Nous commençons alors par le premier axe, l'axe numéro 1, la présentation dans l'incipit. On va commencer par la présentation du temps, puis la présentation des lieux et enfin la présentation des personnages. Alors, commençons par le temps. Pour déterminer le temps de l'action, nous devons faire cette petite opération. Premièrement, nous prenons l'âge de l'enfant. Alors, quel est l'âge de l'enfant? Quel est l'âge de l'enfant? 6 ans, oui. Donc, il a 6 ans. Sidi Mohamed a 6 ans, voilà. Donc, et nous prenons la date de naissance de l'auteur. Alors, quelle est la date de naissance de l'auteur? Ah non, mademoiselle Menel, non, il n'est pas né en 1921. Oui, Mouad, c'est ça, il est né en 1915. Ah non, Ikram. Ah, vous commencez à mélanger, hein? بدأتم تخلطون التواريخ سنة ميلاد الكاتب هي 1915 1954 هذه ليست ميلاد الكاتب يا إكرام سنة 1954 ما هي جيبوني عن 1954 1954 C'est la date de quoi? Voilà, Mouad, c'est ça. C'est la date de parution de la boîte à merveille.
C'est la date de parution de la boîte à merveilles. هي سنة ظهور القصة La boîte à merveilles 1954. لابد أن يعني تحفظوا هذه التواريخ جيدا لأنها تكون يعني كأسئلة في الامتحان. إذن 1954 c'est la date de parution. 1915 c'est la date de naissance de Ahmed Sfraoui. Alors, si nous voulons connaître les années des événements ou l'année des événements racontés, c'est bien Zuhir, c'est 1921. Pourquoi 1921? Parce que on a ajouté l'âge de l'enfant à la date de naissance de l'auteur. C'est-à-dire, on a ajouté 1915, on lui a ajouté 6 ans. Et ça nous donne 1921. Donc, le temps des événements, hein, le temps des événements, c'est les années 20. Les années 20, سنوات العشرين, ça veut dire à partir de 1921. 21. Voilà. Alors, donc, il ne faut pas mélanger les dates. La date de parution, c'est 1954. La date de naissance de l'auteur, 1915. Et la date de décès de l'auteur, c'est 2004. Voilà, ces dates, il ne faut pas les mélanger. Bon. Alors maintenant, c'était le temps. Le temps ici, on voudrait dire par le temps, ça veut dire le temps des événements. Le temps dans lequel se passent des événements racontés dans l'histoire. Alors, pour connaître ce temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'âge de l'enfant, qui est 6 ans, on lui a ajouté la date de naissance de l'auteur, qui est 1915 et ça nous donne 1921. Donc c'est ça le temps des événements. Bien. Alors maintenant, on va passer au lieu. Les lieux où se passe l'histoire. Alors dans le texte, nous avons un premier lieu. Ce premier lieu, c'est une impasse. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une impasse? Qu'est-ce qu'une impasse? Si vous voulez, en arabe, oui. Une impasse. Les qui arafha bl'arabiya, yqoulha bl'arabiya, zanqa, naam. Naa, zanqa. Walakin, non, ce n'est pas un quartier. Naa, zanqa, walakin zanqa, mada, yani, yumayizuha. Voilà, c'est bien, Zouhir. C'est un passage bloqué. Ça veut dire un passage fermé. C'est un passage fermé. C'est une rue fermée qui ne donne pas sur quelque chose. C'est-à-dire, Mastouda, voilà, c'est ça, Mehdi. C'est ça. Donc, c'est une rue fermée, yani Zanka Mastouda, et l'auteur l'a présenté. نعم هل تفيد هذه الدورة متعلمي الفرنسية؟ بالنسبة لمتعلمين فرنسية إذا كانوا في البداية يعني في من المبتدئين يعني هذا بالنسبة لهم سيكون مستوى يعني أعلى شوية يعني سيجدون صعوبة في اتباع الدورة. لكن إذا كان يعني عندهم مستوى يعني لا بأس به في اللغة فيفيدهم بدون شك. أظن أني أجبت يا مروة. إذن أستمر. إن أمباس قلنا c'est une rue fermée, hein, طريق مسدود أو زنقة مسدودة. Et l'auteur l'a présenté de cette manière. Il a dit que une impasse que le soleil ne visite jamais. Hein? Et ça, nous l'avons trouvé dans le chapitre numéro 1.
Donc, le début, sur le début. Alors, je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. Donc, voilà une description de ce lieu. Voilà une description de ce lieu. C'est une rue. Le soleil ne visite jamais cette rue. Ce qui fait que le lieu est fermé d'une part, il est un peu sombre d'une autre part, et la terre est humide. La terre de cette rue, elle est humide. يعني الأرض مبلولة رطبة hein? وكذلك الزنقة لا يأتي لا تأتي الشمس إليها أبدا. إذن c'est un lieu fermé كما قلنا مكان مسدود sombre et humide يعني مظلم ورطب. C'est un univers qui rappelle la protection maternelle. إذن هذا العالم المسدود المظلم الرطب يذكر بمكان أو عالم اللي هو la protection maternelle يعني الحماية حماية الأم للطفل. وهذا في التحليل النفسي يذكر بما نسميه le ventre de la mère ou bien l'utérus يعني يذكر الطفل بالرحم رحم الأم. لماذا رحم الأم؟ لأن في الرحم كان الطفل محمي من كل الأشياء الخارجية، كان يعيش في عالم مسدود، عالم مظلم ورطب، ولكن كان يحس بالأمان. فهذا الطفل هو صغير، عمره 6 سنوات، ولاحظوا أين يلعب؟ يلعب في زنقة يعني مسدودة في طريق لا ينفتح على العالم الخارجي. وهذا كذلك يمكن أن يعطينا فكرة على شخصية الطفل وعلى نفسيته الانطوائية وشخصيته الوحدوية، يعني يحب أن يكون لوحده بعيد عن الكل. Donc c'est un enfant qui préfère vivre seul, qui préfère vivre loin des autres, qui aime vivre dans la protection maternelle. Il voudrait toujours rester proche de sa mère. Donc même lorsqu'il joue, il joue dans un lieu fermé et dans un lieu qui lui rappelle cette protection maternelle. Donc ça, c'était le premier lieu. Le deuxième lieu présenté dans le texte, c'est Dar Shuafa. يعني المكان الثاني سي دار شوافا la maison de la voyante. alors شوافا أو العرافة la maison de la voyante. elle est constituée الآن تكوين هذا البيت من ماذا يتكون؟ donc constituée de le rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage. إذن هذا هو تكوين هذا البيت. Ses fenêtres donnent sur le patio. Les fenêtres donnent sur le patio يعني أن النوافذ تفتح على البهو المسمى الباسيو. و c'est un vieux patio toujours propre. يعني هنا تم وصف هذا الباسيو، وهذا هو المكان الوحيد الذي تم وصفه بتدقيق. ماذا يقول الكاتب لوصف هذا الباسيو؟ يقول سنجد النص. voilà non je reviens alors Nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio.
Un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émaux de couleur et qui paraissait pavé de briques. Il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au palais de Doom. Voilà donc la description. Nos signifie nos fenêtres, ça veut dire ici c'est l'adjectif possessif, hein, Mehdi, c'est l'adjectif possessif. Ma fenêtre, ta fenêtre, sa fenêtre, notre fenêtre, votre fenêtre, leur fenêtre. عندما يتعلق الأمر بنافذة واحدة ولكن إذا كانت نوافذ فنتر ولاحظ أن فنتر بس فأقول مي فنتر تي فنتر سي فنتر نو فنتر فو فنتر لور avec S لور فنتر يعني نوافذنا نوافذنا نافذتينا لأن هنا نافذتين نافذتينا faisait vis-à-vis, yani mutaqabila, et donnait sur le patio. Wa tutil ala le patio. ولاحظوا أن كل مكونات البيت لم يتم وصفها إلا هذا الباسيو أو هذا البهو هو الذي تم وصفه. إذا وصف كيف؟ C'est un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émaux de couleur et qui paraissaient pavés de briques. Ils étaient tous les jours lavés à grande eau et frottés au balai de Doom. Et ça joue un rôle important. La propreté de ce patio est très importante parce que ceci est en relation avec le travail de la Chouafa. La Chouafa voudrait que ce patio soit propre. Pourquoi? Pour attirer les clientes. Les clientes, quand elles entrent dans la maison et elles trouvent le patio propre, ça donne une impression de netteté et de paix. Ça veut dire qu'on se sent à l'aise, on se sent bien. Alors, cela invitait à l'abandon et aux confidences. Ça veut dire que les clientes, quand elles se sentent bien, elles vont commencer à parler. Elles vont commencer à raconter leurs problèmes. Et comme ça, tout cela va aider la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. بمعنى أن الشوافة محتاجة إلى هذه النظافة لأن النظافة تخدم شغلها. لما الزبونات خاصة النساء تأتي لزيارتها لمعرفة مستقبلها وما ستحكيه لهم فعند دخول البيت يجدون هذه النظافة وهذا البهو النظيف فذلك يجعلهن يحسن بالارتياح وبالأمان فيبدأنا الابوندون يعني للاسترخاء وللاستسلام فتستسلم النساء وتبدأ تحكي ما يحدث لها مشاكلها فالشوافة في هذه الحالة تستغل هذه الأشياء التي تحكيها السيدات فتبدأ بتعطيهم أخبار عن المستقبل ويعني تشوف ماذا سيحدث في المستقبل وهذا نوع من كما أقول نوع من الكريتيك يعني انتقاد لأن في الأصل الشوافة لا ترى شيئا هي تستنتج من كلام الزبونات ما يقوله
فتقول لهم فلا هذا هو ما سيحدث، فهي إنسانة ذكية وتعرف كيف تستغل ما يحكيه تحكيه الزبونات. إذا قلنا لو باسيو هو الشيء الوحيد أو المكان الوحيد الذي تم وصفه بدقة. لماذا؟ لأهميته في هذا البيت الذي هو بيت الشوافة. Je dirais donc que c'est un vieux patio toujours propre et il donne une bonne impression pour les clientes de la Chouafa, une impression de netteté et de paix. Donc ça, c'était les lieux qui étaient décrits par le narrateur. Maintenant, on va passer aux personnages, la présentation des personnages dans ce texte. Alors, premièrement, nous avons la présentation de la voyante, la Chouafa. Alors, Chouafa, son nom, il n'a pas été donné dans le texte. L'auteur n'a pas parlé de son texte, de son nom ici. Mais nous savons qu'elle s'appelle Kenza, hein? Tante Kenza. C'est une femme de grande réputation. Tout cela se trouve dans le texte. C'est une femme de grande réputation. Yani Seyida Mashoura, hein? Shoura Kabira. Elle était voyante quelque peu sorcière. Donc, كانت يعني شوافة عرافة وساحرة يعني شيء من السحر، تستعمل شيء من السحر. هذه الشخصية تذكرنا بعالم الطفولة أو عالم الأطفال الذي يمتلئ بخرافات وقصص عن الساحرات وعن القصة التي تكون فيها الساحرة الطيبة والساحرة الشريرة إلى آخره. C'est ce qu'on appelle l'univers enfantin avec les sorcières des contes de fées. Bien. Alors ça, c'est le premier personnage. Donc c'est une femme de grande réputation. Elle était voyante quelque peu sorcière. Elle donnait des fêtes. Elle était riche aussi, c'est parce qu'elle habite au premier étage. Non, Yasmina, elle n'habite pas le premier étage. Elle habite le rez-de-chaussée. Hein? Elle habite au rez-de-chaussée et elle occupait tout le rez-de-chaussée. C'est vrai, elle a de l'argent. C'est vrai, elle était riche. C'est une bonne remarque. Et elle a de l'argent puisqu'elle a des clientes qui viennent la consulter et elle occupait, donc c'était la principale locataire de Dar Chouafa. Hein, c'était la principale locataire. Elle est l'assassie ou l'raïsie de ce bâtiment. Elle s'occupe dans le bâtiment et elle s'occupe dans le bâtiment لأنها لديها المال لكي تؤدي ثمنه. Donc, ما نعرفه أيضا elle donnait des fêtes de gnawa une fois par mois. C'est-à-dire chaque mois, كل شهر elle donne des fêtes de gnawa. يعني تعمل ليلة أو حفلة من حفلات gnawa. Elle n'arrive pas à se guérir de ces maux, et ça c'est une critique implicite du narrateur. Ça veut dire que l'Anna Chouafa, كانت يأتي عليها فترة لا تأتي فيها الزبائن، فتبدأ بالاهتمام بصحتها الشخصية، فلا تستطيع أن تداوي نفسها في هذا الوقت. و إذن السؤال المطروح الآن هو هذه الشوافة التي تدعي أنها
تقوم بعلاج الآخرين وتساعدهم على العلاج، هي لا تستطيع أن تعالج نفسها، إذا فكيف لها أن تعالج الآخرين؟ هذا هو السؤال. إذا هنا نلاحظ أنها عبارة عن انتقاد خفي للراوي. C'est une critique implicite du narrateur. Il nous dit, voilà, elle n'arrive pas à se guérir. Quand elle n'arrive pas à se guérir, ça veut dire quoi? Qu'elle ne guérit pas les autres. Voilà, tout simplement. Donc après, elle représente un monde. إذن هذه الشوافة ماذا تعبر؟ على ماذا تعبر؟ هي تعبر عن عالم. Elle représente وتمثل un monde fantastique, عالم غريب، عالم خارق للعادة، que l'enfant craint et désire en même temps. Que l'enfant craint et désire en même temps. إذن هي عبارة عن مثال لهذا العالم الغريب العجيب الذي كان الطفل يخافه وفي نفس الوقت يتمناه، يعني يحبه، وهذا نجده في نهاية النص عندما يقول، وهنا نجد هذا في النهاية يقول voilà. Nous habitions des univers différents, c'est-à-dire les autres enfants habitent un univers et moi j'habite un autre univers. J'avais un penchant pour le rêve. يعني كان عندي ميول نحو الحلم. Le monde me paraissait un domaine fabuleux. العالم يبدو على شكل غريب وعجيب، عالم une féerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce familial avec des puissances invisibles. إذن هذا العالم كان يستحوذ على فكر الطفل، كان يجلبه إليه، مما جعل أن الطفل كان لديه مخيلة كبيرة، كان يحب الخيال بكثرة ويحب أن يعيش في الخيال. لذلك سنرى كيف فيما بعد كيف سيتعامل مع les objets de la boîte. الآن سنرى les autres locataires، السكان الآخرون لهذا البيت. Nous avons les locataires du premier étage، يعني السكان الدور الأول. دريس العواد، sa femme Rahma et leur fille Zineb. Driss Lawad, sa femme Rahma et leur fille Zineb. Alors cette famille qui est constituée d'un homme, de sa femme et de leur petite fille, ils occupent une seule pièce et Rahma fait la cuisine sur le palier. Donc ça montre, tout à l'heure Yasmine ou Yasmina m'a dit que la Chouafa était riche, c'est vrai, elle était riche et elle occupait tout le rez-de-chaussée. Maintenant, c'est Driss Laouad, sa femme et leur fille, il y en a trois personnes qui occupent une seule pièce, c'est-à-dire une seule chambre. Et lorsque Rahma veut faire la cuisine, elle le fait sur le palier. يعني ça veut dire أن عندما تريد أن تطبخ يتطبخ خارج الغرفة على المكان الموجود قرب الغرفة. هذا دليل على ماذا؟ Donc c'est un indice de pauvreté. Ce qui montre que cette famille est une famille pauvre. Oui, Mouad, Zineb est l'ennemi de Sidi Mohamed. C'est ça. Sidi Mohamed n'aimait pas Zineb. Alors Zineb est d'un an plus âgé que le narrateur Sidi Mohamed. Elle a 7 ans et Sidi Mohamed a 6 ans. Et bien sûr, Sidi Mohamed ne l'aimait pas. Le narrateur qui ne l'aimait pas.
bien sûr, Mouad nous dit que c'est l'ennemi de Sidi Mohamed. Voilà, c'est ça. Bien. Alors maintenant, on va voir qui sont les locataires du deuxième étage. Sur Adour Tseni. Ce sont les parents du narrateur, le père et la mère du narrateur. Et nous, hier, on a vu le nom de ses parents. La mère s'appelle, comment s'appelle la mère de Sidi Mohamed? Oui, c'est Lalla Zoubida. Non, Mouad. Non, 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 Mouad. Elle s'appelle pas Rahma. Rahma, c'est la femme de Driss Laoued. On vient de le dire tout à l'heure. On a dit que Rahma, c'est la femme de Driss Laoued et sa fille s'appelle Zineb. Et ils habitent le premier étage. Donc, il ne faut pas mélanger entre les personnages. Alors, la mère de Sidi Mohamed s'appelle Lalla Zoubida. Il faut pas se tromper parce que parfois on pose des questions à l'examen sur les personnages et la relation entre les personnages. Alors, il faut faire attention. Donc, Lalla Zoubida, c'est la mère de Sidi Mohamed et son père, comment il s'appelle? Oui. Alors, c'est ça, Rachid, Sidi Abslam ou bien Yasmina a écrit Ma'allem Abslam, c'est vrai, c'est juste, c'est bien. Donc, Ma'allem Abslam ou bien Sidi Abslam, c'est le nom qu'on donne au père de Sidi Mohamed. Bien, alors dans ce deuxième étage, il y avait les parents du narrateur, Lalla Zoubida et Ma'allem Abslam, et il y avait une troisième locataire, c'est Fatma Bziwiya. Fatma Bziwiya, une femme donc qui habite avec eux sur enfin dans le même étage. Maintenant, nous allons parler du narrateur. Le narrateur, Sidi Mohamed, c'est un enfant de 6 ans, fils unique et il n'a pas d'amis. Alors, fils unique, ça veut dire quoi? Que signifie un fils unique? Voilà, c'est bien Motia. Il est seul dans sa famille. Oui, ça veut dire qu'il n'a pas, oui, il n'a pas de frère ou de sœur. C'est bien Yasmina. Donc, il n'a ni frère ni sœur. Et là, je rappelle à French, je sais pas s'il est présent. French, hier, m'a posé la question à propos de l'utilisation de ni. Hein? Là, je peux dire, il n'a ni frère ni sœur. Voilà, donc là, je peux utiliser ni, et je supprime pas. Alors, je dis, il n'a ni frère ni sœur. Voilà. Donc, il est fils unique. Ça veut dire il n'a ni frère ni sœur et il n'a pas d'amis. Donc, c'est ce qui fait qu'il souffre de la solitude. Il souffre de la solitude. Et bien sûr, ce sentiment de solitude, il va l'accompagner toute sa vie. Ça veut dire qu'il va vivre avec ce sentiment depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc, nous trouvons cela au début du texte, lorsque le narrateur nous dit « Moi, je ne dors pas, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. » Ça veut dire que lui, lorsque tout le monde dort, lui, il ne dort pas. Il pense à sa solitude et cette solitude,
C'est une solitude qui vit avec lui depuis qu'il était tout petit. Voilà, c'est pourquoi il joue avec la boîte à merveilles pour éviter d'être seul, hein, pour éviter cette solitude. Bien. Alors, donc, il est seul, il est unique, il n'a pas d'amis. C'est un enfant et il a une grande imagination. Hein? Il a une grande imagination. Il vit dans le rêve. Il vit dans l'imagination. C'est pourquoi nous allons voir, lorsqu'on étudiera un autre texte, la relation qui existe entre lui et les objets de la boîte. Hein? Et comment ces objets se transforment? Et bien sûr, cela grâce à l'imagination de cet enfant. Aussi, donc, nous voyons dans le texte que l'enfant vit avec une grande imagination, qu'il a une grande imagination lorsque après les nuits de Gnawa, hein, après les fêtes de Gnawa, il commence à sentir ce qu'on appelle les jnoun. Autour de moi rôdaient les jnoun. Yani, hawali kano yahumun jin ou l'afarit. Les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. Je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brûlants. لدرجة أنه هذا الخيال الواسع الواسع كان يجعله يحس حتى أن الجنون يعني يلمسونه بأصابعهم الساخنة. هذا كله من تأثير مخيلة هذا الطفل. Oui. Donc nous continuons. الآن نمر إلى المحور الثاني, l'axe numéro 2. Et nous allons voir l'emploi de jeu et la relation personnage-narrateur. Le jeu, la première personne, est égal narrateur adulte. Et elle a fait l'autobiographie, ou dans le roman autobiographique, pardon, la personne ou le pronom personnel je, il peut désigner soit le narrateur adulte, soit le narrateur enfant. Hein, il y a deux. Hein, il y a deux narrateurs. Le narrateur enfant et le narrateur adulte. Alors, quand il s'agit de l'enfant, quand il s'agit de l'adulte, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, le jeu est égal au narrateur adulte lorsque nous trouvons les verbes conjugués au présent. Alors, lorsque je désigne le narrateur adulte, عندما يتعلق الأمر ب الراوي الراشد, يعني الشخص اللي هو كبير, اللي هو الكاتب في نفس الوقت, في هذه الحالة نجد أن الأفعال في النص يعني تصريفها يصير في الحاضر, أو بريزون. نأخذ مثال من النص. في بداية النص, le soir, quand tous dorment, les riches, et remarquez ici le verbe dormir, il est au présent, hein? Moi, je ne dors pas. Encore une fois, le verbe dormir est au présent. Je songe à ma solitude. Le verbe songer est au présent. Ma solitude
Et j'en sens le verbe sentir tout le poids. Le verbe sentir au tout présent. Ma solitude ne date pas d'hier. Et d'un au tout présent aussi. Je vois au présent. Hein? Alors, ces verbes qui sont au présent montrent que ce je-là que j'ai ici, je songe, je ne dors pas, je ne dors pas, je songe, j'en sens, je vois. Alors, le je ici, il désigne le narrateur adulte. Yani yadul ala al-rawi alladhi huwa al-katib aw al-shakhs al-rashid. إذن هنا لما أجد الأفعال في الحاضر quand je trouve le verbe conjugué au présent le je qui vient avec le verbe désigne le narrateur adulte. إذن quel est son rôle يعني ما هي مهمة il nous juste raconte et fait le narrateur adulte il voilà. Voilà, c'est ça, Yasmina. C'est ce que nous allons dire tout de suite. Je dis, donc, je pose la question, que fait le narrateur adulte dans le texte? Alors, comme a dit Yasmina, le narrateur fait un commentaire. Hein? Le texte est un commentaire du narrateur adulte. Un jugement, une explication. Hein? L'adulte, il explique. Il commente, il juge. Ça veut dire quoi? Que l'adulte jette un regard sur l'enfant qu'il était. يعني أن هذا الشخص الذي هو الآن راشد يلقي نظرة على ذلك الطفل الذي كان صغيرا وعلى نفسه طبيعة الحال وعندما كان صغير ويحاول أن يشرح العلاقة التي كانت بينه وبين الآخرين أن يحلل سنتيمون يعني أحاسيسه أن يعطينا تعليق على ذلك. Donc le narrateur enfant utilise le temps du récit, c'est ça. Et bien sûr l'adulte utilise le temps du discours, c'est très bien, Yasmina. Donc l'adulte jette un regard sur l'enfant. Qu'il était, sa relation avec les autres, ses occupations, ses sentiments, et il utilise, comme a dit Yasmina, les temps du discours, c'est-à-dire le présent, il peut utiliser aussi le futur, il peut utiliser le passé composé, donc les temps du discours. Mais, lorsque le je est égal au narrateur enfant, alors là, le texte est un récit au passé. Hein? C'est un récit au passé. C'est une narration, comme a dit Yasmina, c'est une narration. L'auteur ou le narrateur raconte, il ne commente pas. Hein? Et les verbes sont conjugués à l'imparfait et au passé simple. Et nous voyons le passage ici dans le texte du je hein, du je qui est narrateur adulte ou je qui est narrateur enfant directement vous trouvez ici nous habitions le nous ici c'est je plus les autres hein, nous c'est je plus les autres alors et remarquez comment on est passé à l'imparfait nous habitions et on n'est plus dans le présent, on est passé directement à l'imparfait et au passé simple. Bien. Alors, et ici, donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la narration des souvenirs de son enfance. C'est-à-dire que l'enfant, il raconte des souvenirs de son enfance. Yahkina, an, ذكريات الطفولة. نمر الآن إلى alors الآن السؤال الذي يطرح pourquoi le jeu adulte écrit-il son récit de vie
C'est-à-dire pourquoi un auteur écrit-il son récit de vie? Pourquoi il raconte sa vie? Pour quelle raison? Et la réponse, elle se trouve dans le texte. Il répond en disant, et ça nous le trouvons à la fin de ce passage à étudier. Alors, il me reste 7 albums. Et ici, le album, c'est quoi? C'est le récit de vie. L'album, désigné ici, représente le récit de vie. يعني هذا الألبوم الذي يتكلم عليه هو سرد أو قصة حياته. Alors, il me reste cet album pour égayer ma solitude. Égayer ma solitude. Voilà la première raison pour laquelle il écrit. Pour égayer sa solitude. يعني pour faire entrer la joie dans sa solitude. لكي يملأ يعني وحدته بالفرحة. لكي يدخل السعادة على وحدته أو على الإحساس الذي كان لديه بالوحدة. Ça, c'est la première raison. La première raison, c'est pour égayer sa solitude. Et pour une deuxième fois, la deuxième raison, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. يعني لكي يبرهن لنفسه على أنه لم يموت بعد. Ça veut dire quoi? Pour se prouver qu'il était toujours vivant. Et ça, c'est un besoin existentiel. Deuxième, on peut dire pour auto-prouver, auto, pour prouver son existence. Donc, c'est un besoin existentiel. يعني, un besoin, يعني, darura, darura wujudia. Hein? Darura wujudia. لكي يثبت لنفسه أنه ما زال حيا وأنه لم يمت فهو يقوم بكتابة هذه السيرة الذاتية. Donc, هذا هو السبب الذي أعطانا الكاتب لكتابته هذه الذكريات وذكريات إثبات الذات. نعم. من أجل إثبات الذات وإثبات الوجود أكثر. إثبات الوجود. نمر الآن إلى الأكس نيميرو 3. يعني المحور الثالث. Et nous arrivons à une chose que c'est un texte ancré dans la réalité marocaine. هذا النص يعني راسي في الواقع المغربي. كيف ذلك؟ يعني comment ce texte est ancré dans la réalité marocaine? Alors, grâce à plusieurs choses. Premièrement, nous avons la maison d'Archouafa. C'est une maison qui a une architecture marocaine. يعني حتى المنزل تصميمه وهندسته هي هندسة مغربية. Donc, c'est une architecture marocaine. Nous avons un rez-de-chaussée, nous avons le premier étage et le deuxième étage, et les fenêtres donnent sur le patio. Donc, c'est ce qu'on appelle en arabe dar al-halqa. Dar al-halqa, ça veut dire بلي أن المنزل المغربي القديم كيف كان على شكل حلقة. يعني كل الغرف تعطي على البهو، يعني تفتح على البهو، والوسط يعني البهو كان مفتوح، كان مباشر للسماء، يعني ليس مغطى. إذا حتى نعم الرياض، حتى الهندسة
هندسة البيت هي هندسة مغربية. إذن c'est un récit ou c'est un texte ancré dans la réalité marocaine. Deuxièmement, ce qui fait que ce texte est ancré dans la réalité marocaine, c'est les noms des personnages. Oui, ce sont les noms des personnages. أسماء الشخصيات هي أسماء مغربية. لالا زبيدة، معلم عبسلام، دريس العواد، رحمة، etc. شوافة، جنون، etc. Ça, ce sont les mots arabes. Ce sont les mots arabes utilisés. Oui, donc les traditions marocaines, etc. Ça, on va le voir tout à l'heure. Et les mots arabes. المو أعراب. alors là سنطرح على نفسنا السؤال، لماذا يستعمل كلمات مغربية؟ لماذا لا يقول la maison de la voyante tout simplement ويقول دار الشوافة؟ لأنه هو يكتب بالفرنسية، إذا ممكن أن يقول la maison de la voyante وكتبها، لكنه au lieu d'utiliser ce mot tout seul, il a utilisé dar chouafa, kalima bilouga l'arabia. Alors pourquoi à votre avis? Parce qu'il est marocain, hakda wsafi. Yani rahet annahu marocain ghadi yktab bilouga l'maghribia w ma sayfhamo. C'est une œuvre maghrébine avec des mots arabes. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. يعني ليس هو ليس ملزم بالكتابة بالعربية. مادام يكتب بالفرنسية ليس ملزم بالكتابة بالعربية. ده لماذا يكتب كلمات بالعربية؟ ماذا يريد أن يقول؟ هناك مساج، يعني هناك رسالة يريد أن يوصلها إلى القارئ. كان دي رومون مونتر pour que tout le monde sait qu'il est un récit marocain. Pour expliquer, il raconte la réalité et il est sincère. Oui, enfin les réponses que vous me donnez, ça peut être vrai. Parce qu'il est marocain et le roman est marocain. Oui, bon, d'un côté parce qu'il est marocain, ça c'est vrai. Et il écrit en français. يعني هو يكتب بالفرنسية، فيمكن أن يأتي إلى ذهن القارئ أن مادام أنه يكتب بالفرنسية، إذن فهو لا يعرف العربية. لا، هو يريد أن يبين للقارئ أنه رغم كتابته باللغة الفرنسية، فهو يعرف العربية ويستعملها. فنجد أنه يدخل هذه الكلمات المغربية في كتابته ليثبت لتشبث باللغة الأم وليثبت على أنه يتكلم اللغة العربية، أنه عربي مغربي متشبث بلغته بثقافته، ورغم ذلك ورغم أنه يكتب باللغة الفرنسية، أنه ليس هناك مشكل بالنسبة له، وإن كتب بالفرنسية فاللغة العربية تبقى بالنسبة له هي اللغة الأم واللغة لغة الأصل. إذن c'est pourquoi il utilise les mots arabes et il les utilise pour montrer sa culture, donc pour montrer qu'il s'accroche à sa culture, qu'il tient vraiment à sa culture, qu'il ne veut pas la dénier, même s'il écrit en français. Alors maintenant, on va voir les fonctions de l'écriture autobiographique. C'est-à-dire, ما هي وظائف الكتابة الذاتية أو السيرة الذاتية. C'est-à-dire, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'écrire son autobiographie? لماذا يكتب الكاتب سيرته الذاتية؟ لمجموعة من الأسباب. لمجموعة من الأسباب. pour plusieurs raisons.
Premièrement, c'est un témoignage d'une époque. وقبل قليل كنتم تتحدثون عن دي تراديسيون ماروكان pour parler des traditions marocaines, etc. Donc ça, c'est un témoignage, shahada, shahada ala l'asr. C'est un témoignage d'une époque de l'histoire du Maroc. Et donc, tout à l'heure, Shihad Katabli an la colonisation, oui, la situation de la femme marocaine, l'enfant marocain à cette époque, la mentalité marocaine, donc tout ça, c'est un témoignage, hein, shahada ala dalika las. كيف كانت العقلية المغربية كيف كانت la condition de la femme يعني حياة المرأة الطفل المجتمع بأكمله التقاليد الاعتقادات كل هذا يتم الشهادة عليه بطرف الكاتب عندما يكتب عن سيرته الذاتية donc c'est un témoignage d'une époque. C'est aussi une critique de certaines pratiques sociales. كذلك انتقاد لبعض الممارسات الاجتماعية. مثلا la superstition. Hein? La superstition par exemple. يعني الاعتقاد في الخرافات. مثلا الشوافة. هذا ça fait partie de la superstition, ça fait partie du charlatanisme, c'est une pratique sociale. لاحظوا أن المجتمع كان يعتمد وخاصة النساء كانوا يعتمدن على الشوافات في حياتهن. Donc, tout ça, ça montre cette société. Et bien sûr, l'auteur, il critique cela d'une façon soit explicite ou implicite. Bien, le blabla entre les femmes, bien sûr, les femmes qui passent toute la journée à bavarder, à parler, les secrets qui ne se cachent pas entre les femmes, tout cela est présenté dans le texte. Donc, il écrit aussi pour raconter des souvenirs d'enfance, hein, يحكي عن ذكريات الطفولة. C'est un attachement à sa propre culture aussi, كذلك ارتباط بثقافته الخاصة ولأسباب أخرى كذلك. إذن نقوم بإعطاء la synthèse يعني خلاصة هذا النص. إذن في الخلاصة نقول سيدي محمد un enfant de 6 ans, marqué par le sentiment de solitude qui l'accompagnera sa vie entière, raconte les souvenirs de son enfance qui l'ont le plus marqué. Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans, marqué par le sentiment de solitude, يعني هذا الطفل الذي عمره 6 سنوات والذي أثر فيه ذلك الإحساس بالوحدة الذي سيرافقه حياته بأكملها qui l'accompagnera sa vie entière. Il raconte les souvenirs de son enfance, يحكي ذكريات طفولته qui l'ont marqué le plus marqué, يعني ذكريات الخاصة التي تركت أثر في حياته. C'est un enfant unique et solitaire, طفل وحيد واحد ووحيد يعني أنه ليس له إخوة ووحيد. Mais il va se créer un monde propre à lui grâce aux objets de sa petite boîte qu'il appelle boîte à merveilles. إذن كان وحيدا ولم يكن له إخوة ولكنه سيحاول أن يخلق له عالم وهذا العالم يتكون من الأشياء التي كانت موجودة في صندوقه الصغير والذي كان يسميه la boîte à merveilles. إذن
أتمنى أن أكون قد فسرت هذا النص، وأن تكونوا قد استفدتم من هذا التحليل. إذا كانت هناك أسئلة أجيب عليها قبل أن ننهي المحاضرة. Je vous en prie, Karam. Merci à vous aussi, Mourad. Merci pour votre participation aussi. الحمد لله، أنا هذا هو الهدف ديالي أنكم تفهموا. Oui, si vous voulez écrire, donc on garde cela. Pas de quoi d'assis. D'accord, Mehdi, je laisse le texte. De toute façon, على كل المحاضرة تنزل مسجلة في يوتيوب، يعني ممكن أن تعودوا إليها متى شئتم وتحتفظوا بها، إما تحملوها عندكم ويمكن أن ترجعوا إليها متى شئتم، لأنه يتم وضعها في قناة الدارين على يوتيوب ويمكن أن ترجعوا إليها. بدكوا مسيو صالح. إذا لم يكن هناك أسئلة، هل هناك سؤال آخر؟ طيب، إذا لم يكن هناك أسئلة، أتمنى لكم أمسية سعيدة. Donc bonne fin de soirée. Merci pour votre attention et bonne nuit et à jeudi إن شاء الله.